Nous sommes à Saint-Émilion, au cœur de Saint-Émilion, devant le lieu le plus symbolique de Saint-Émilion, la Tour du Roi, qui est au-dessus d'anciennes carrières de pierre transformées en caves, où on fait notre crémant. On vient de dire, mais du crément à Saint-Émilion, bah, c'est quand même un peu... Oui, bah, on fait bien sûr du Saint-Émilion. Mais pourquoi on fait également du crément? Parce que historiquement, Bordeaux était un vignoble majoritairement en blanc. Mais si on voulait faire un raccourci de l'histoire, de tout temps et partout, là où il y a des vignes, et on faisait du crément comme on fait de la prose, sans le savoir. Puisqu'à partir du moment où vous avez des levures qui sont en présence de sucre, ça fermente. Si vous enfermez le tout dans une bouteille, eh bien, ça fait un vin effervescent. Et puis, si vous laissez vieillir avec ces levures, vous les séparez plus tard, c'est de la méthode traditionnelle. Et puis, quand c'est à Bordeaux, ça s'appelle crémant de Bordeaux. Et crémant de Bordeaux, c'est une vinification particulière. Il faut d'abord vendanger à la main. Ça commence par là. Pourquoi on vendange à la main? Parce qu'on va pouvoir prendre des grappes entières, les mettre directement dans un pressoir et extraire sélectivement le jus. Un grain de raisin, ça n'est pas une sphère remplie d'un liquide homogène. On voit qu'il y a différentes zones. Et dans ces différentes zones, on a des jus de qualité différente. Et à la périphérie, on a le meilleur jus. Et ce que l'on va rechercher, c'est lorsqu'on l'éclate, ce jus qui est parfaitement limpide, qui est de toute beauté, qui fait surtout un jus où on a l'acidité, le sucre, les arômes, la meilleure qualité. Voilà. Tous les jus sont blancs. Donc, on peut faire du blanc de blanc, c'est-à-dire des blancs de raisin blanc, ou du blanc de noir, des blancs de raisin noir. Comme les vins rouges, comme le Saint-Émilion, se vendent très très bien, on a planté de plus en plus de cépages noirs, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, et on a de moins en moins de cépages blancs. Alors on va aller chercher un petit peu plus loin. Nous vinifions dans nos caves souterraines qui sont des anciennes carrières de pierre à Saint-Émilion, des jus qu'on a obtenus sur les propriétés. Comme on a besoin de très grandes surfaces, on a donc des contrats avec des propriétaires, en l'occurrence ici à la Croix de Roche. On est dans des Malbecs qui ont un degré potentiel qui avoisine les 10,5-11 degrés. Avec des acidités qui sont entre 7 grammes et 7,5 grammes, donc ce qui est parfait pour faire du... On a l'équilibre parfait de sucre et acide. Voici une superbe grappe de Malbec, qui d'ailleurs est pour la première année est en bio. Donc on a un petit peu d'enherbement, mais c'est dans la volonté de faire quelque chose de tout à fait biologique. Le crémant de Bordeaux, on est un peu victime de notre qualité intrinsèque, c'est qu'on produit des raisins qui n'ont pas de forte acidité. Donc c'est en soi une qualité. On a des jus sucrés et pas très acides. Mais pour le crémant, on cherche un peu l'inverse. Alors il faut vendanger au moment où on a un degré qui n'est pas trop élevé et une acidité suffisamment forte encore. Des blancs, alors on en vendange quand? Les blancs, on va vendanger les blancs lundi prochain. On cueille les grappes. On les porte dans des clayettes. Pourquoi dans des clayettes? Parce que si vous les mettez dans un récipient comme des bastes ou dans une benne, ils vont s'écraser. On les transporte donc avec beaucoup de précaution
jusqu'au pressoir. Il faut que dans le pressoir, on arrive avec des grappes qui sont parfaitement respectées, qui sont exactement comme elles étaient dans le même état sur le pied de vigne. C'est un pressoir qui était sur la propriété avant que l'on y soit nous-mêmes. Donc, un pressoir qui doit dater, je pense, d'avant-guerre, qui est en train de revenir à la mode maintenant, puisqu'on est en train de refaire des pressoirs de ce type-là pour mettre dans les vignes et dans les grands châteaux. Et c'est un pressoir qui se limite de lui-même par sa technique, puisqu'il fonctionne avec de l'eau. On ne peut pas faire de surpression avec, de par le principe de fonctionnement. Voilà exactement ce qu'on a obtenu dans le premier serrage, le jus, le pur jus, tout, de cette couleur qui est pratiquement la même qu'on va retrouver dans nos bouteilles. Déjà, on sent... c'est du jus de raisin, là. Mais si déjà il y a des odeurs de fruits, ça engage bien. Alors... Ah oui, c'est doux, c'est acide, c'est parfumé, c'est bon, c'est très bon. On va laisser reposer et on attendra la troisième étape qui est simplement la reprise de ce vin après plusieurs mois de décantation, d'évolution. Et une fois qu'il sera fermenté, on prend le relais dans nos caves à la Tour du Roi. La Tour du Roi se trouve au-dessus de nos caves et précisément juste au-dessus de nous. Là, on est exactement en dessous de la Tour du Roi. Cette tour a été construite suite à l'occupation anglaise. Aliénor d'Aquitaine, en 1152, se marie avec Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Comme elle est déjà propriétaire de tout l'ouest de la France, toute la partie ouest de la France devient anglaise. Alors, le roi d'Angleterre, dans sa grande bonté, autorise les Saint-Émilionnais à s'entourer, se fortifier, construire un château. À l'époque, il est précisé dans des documents qu'on a retrouvés qu'ils construisent ce château du roi dans une ancienne carrière de pierre de construction. Pour extraire les pierres, on creuse de face les quatre côtés à la même profondeur. Donc, un, deux, là on creuse le troisième côté, le quatrième avec l'outil. Et quand les quatre côtés sont creusés à la même profondeur, avec une cale en bois, on force et on fait casser le fond net et la pierre se détache. Ils étaient des ouvriers des carrières de pierre, des carriers, ils étaient des dockers, ils étaient des mariniers, parce que leur pierre,
Il les sortait une par une, il les transportait sur des chariots. C'était des chariots tirés par des bœufs, c'était le tracteur de l'époque. Il les portait jusqu'au port de Saint-Émilion. Alors on va relativiser, c'était quand même qu'un embarcadère. Il chargeait sur les gabarres le bateau spécialisé typique pour la navigation de la Dordogne pour descendre jusqu'à Bordeaux. Il ne faut pas oublier que l'extraction de pierre a duré une vingtaine de siècles. Donc depuis les premiers siècles jusqu'au XIIe, il a été creusé en carrière à ciel ouvert, puis en carrière souterraine. Le XVIIIe et XIXe siècle réunis représentent plus d'extraction que tous les autres siècles précédents. Et cette grande masse de calcaire qui fait 30 mètres d'épaisseur, je le rappelle, sur laquelle sont tous les grands Saint-Émilion, eh bien, elle a été découpée en trois niveaux, globalement. Là, on est dans un second niveau. On en a un dessous, un autre au-dessus. Et si on fait le recensement de tout, on a une centaine de kilomètres de galeries dans Saint-Émilion. Il faut savoir qu'au 19e, on a le maximum de volume, le volume actuel. Et là, on commence à mettre beaucoup de vin dans les caves, mais on est loin d'occuper 100 km. Et bien, qu'est-ce qu'on en fait? Des champignonnières. Et c'est une multitude de champignonnières. Si on s'éloigne au-delà des parties qu'on occupe dans notre cave, on va retrouver des anciens sillons abandonnés. On est à 12 degrés, constant, toute l'année, c'est totalement invariable. On peut prendre l'exemple en 2003, la canicule, on était à 43-44 degrés dans la cour, à l'entrée. On rentrait directement à 12 degrés. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'on a fait une fermentation à 12 degrés, ce qui n'existe dans aucune vinification. Et à 12 degrés, la fermentation dans la bouteille, elle demande 2 mois parce que plus il fait froid, plus les levures sont ralenties. Et plus la fermentation est lente, meilleur est le résultat. Donc l'idéal de cette cave, de toutes ces anciennes carrières de pierre à température basse et constante, c'est 1. La fermentation dans des conditions parfaitement idéales et 2. La conservation idéale. Et la tour du roi tient depuis 800 ans au-dessus de ce vide. Bah, on va espérer que ça tienne encore très longtemps. Nous sommes 6 mois plus tard et notre vin de base est prêt. On est en présence d'un rosé, qu'on pourrait d'ailleurs boire comme un rosé de Bordeaux en bouteille, mais nous allons le retransformer à nouveau par une refermentation dans la bouteille. On va donc rajouter le sucre et les levures. Pour le sucre, on va mesurer de manière très précise sur un échantillon la quantité qu'il faut incorporer. On va ensuite ajouter les levures, le tout dans la cuve, agité, et l'ensemble, du début à la première bouteille jusqu'à la dernière, on aura la même quantité de sucre et de levure. D'entasser nos bouteilles et on va les laisser reposer maintenant. Légalement, on a une obligation d'un an, mais pour des raisons de qualité, on va les laisser au minimum 2 ou 3 ans. À la fin des 2 premiers mois de stockage, on atteint 6 kg de pression. On a réalisé ce qu'on appelle la prise de mousse. Le vin est devenu mousseux et on atteint un maximum de qualité par
le passage de toutes les substances, les protéines, les substances azotées, les acides aminés qui vont repasser dans le vin et redevenir des substances précurseurs et fixateurs d'arômes, entre autres. Quand on reprend nos bouteilles, les levures qui se sont multipliées se sont déposées. On voit bien que les levures ont rendu le vin tout trouble. Il faut donc le décanter. Ça, c'est absolument génial. Ce pupitre a un trou biseauté. La bouteille présente une inflexion. Ce n'est pas une forme par hasard. Parce que regardez, si je pose ma bouteille et que je la repousse tout doucement, eh bien, elle se relève. Et ça, c'est tout l'art de remuer une bouteille. En faisant ces mouvements et en relevant la bouteille, on va tasser totalement le dépôt dans la capsule. En moyenne, il faut à peu près un mois pour faire descendre tout le dépôt. Lorsque tout le dépôt sera complètement tassé dans la capsule, on pourra procéder à la dernière étape, ultime étape, le dégorgement, qui consiste à utiliser la pression pour projeter le dépôt de levure en perdant un minimum de vin et en le rebouchant après définitivement. Au moment de l'ouverture de la bouteille, au dégorgement, on a perdu un petit volume de vin. Et dans ce volume disponible, on va incorporer la liqueur d'expédition qui fera du brut ou du demi-sec. Ça, c'est du crémant. We'll be right back.